Alors, cette semaine, on reçoit, premièrement, un gars de région, deuxièmement, un chroniqueur de région, et troisièmement, un chroniqueur de région, un brin identitaire, Steve Fortin. Bienvenue. Oh, oh, bienvenue. Oh, oui, ça commence fort. Bienvenue à Discussion de Salon. Ça fait longtemps qu'on jase, qu'on échange. Je fais des trucs à radio avec toi, à gauche, à droite. Oui. Le portrait du Québec, selon Steve Fortin, décembre 2019, vous allez voir cette entrevue peut-être un peu plus tard. Oui, parce que là, on sent que, sans dire que tu deviens plus critique de la CAQ, parce que tu as toujours été un peu, mais là, j'ai l'impression que tu le deviens un petit peu plus qu'à l'ordinaire. Est-ce que je me trompe? Il y a longtemps de ça, je disais, il faut faire attention avec la CAQ. Il y avait, pour moi, en tout cas, ça a toujours été comme une espèce de drôle de mélange, tout ça. C'est une coalition. Par ses positions un petit peu nationalistes, par sa posture nationaliste, il a été capable d'aller chercher des gens, beaucoup justement là, chez le Parti québécois, qui étaient déçus, mais pas que là. Ouais. Des gens aussi qui avaient juste quitté la politique, qui en avaient marre de ça. Il a réussi à en fédérer quelques-uns, parce que faut pas oublier une chose, c'est que l'élection de la CAQ, c'est beaucoup, et avant tout, une écœurantite complète des libéraux. Puis là, donc, il a réussi comme ça à contenter ces gens-là, mais est-ce plus on avance... un modèle permanent, tu penses? Non, je pense pas. Je pense pas, parce que on l'a vu déjà avec Geneviève Guilbeault. Quand on a entendu parler de comment Geneviève Guilbeault était un petit peu, tu sais, avec les employés qu'elle avait, les employés politiques, là, les crises de péquistes, puis tout ça. Oui, je pense que la libérale n'est pas tout à fait sortie. Puis je ne sais pas si cette arrimage-là, cette coalition-là, va vraiment jamais prendre au complet. Parce que moi, je sais en tout cas qu'il y a des gens à la CAQ qui sont un petit peu moins à l'aise avec les positions plus identitaires de la CAQ. Parce que tu as des gens qui sont arrivés là et qui n'étaient pas nécessairement très chauds à l'idée, par exemple, la loi 21. Mais on y va parce qu'il y a un grand assentiment au Québec pour ça. Mais le Québec d'aujourd'hui, c'est pas que ça. Le Québec d'aujourd'hui, c'est aussi un Québec qui est fragmenté parce que si on est à Montréal, par exemple, puis on se promène et tout ça, puis là, j'ai affaire à être souvent à Montréal, on s'en rend compte aussi quand, comme toi et moi, on est des gars qui viennent des régions. Quand je suis en Gaspésie, parce que j'ai de la famille là-bas, au Lac-Saint-Jean, quand je me promène partout, je veux dire, le Québec, oui, il est diversifié, mais le Québec, il est aussi un petit peu fragmenté. Montréal, c'est plus les régions. Puis, il est en train de se créer un espèce de phénomène de Montréal, la première couronne un peu, le rest of Québec un peu. Ça, je trouve ça un peu inquiétant. Comment on casse ça? Parce que moi, c'est une des questions que je me pose assez fréquemment. Comment on réconcilie peut-être les... Parce que là, actuellement, Montréal est très libéral. Alors que la CAQ est très, 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 très forte en région, pratiquement absente de l'île, sauf peut-être dans l'Est, un comté. Comment on va remettre le pâte à dents dans le sud, dans ce cas-ci? J'ai tendance à penser qu'il y a sur un dossier, à un moment donné, les gens vont se rejoindre. Puis, étant moi-même des régions, étant d'une région où il y a beaucoup de cours d'eau, la rivière des Outaouais, on borde ça. Moi, j'ai connu des gens là qui avaient aucune sensibilité environnementale dans la vie. Mais quand tu t'es installé, je sais pas moi, t'as 55 ans, tu prends ta première petite, ta pré-retraite, puis là, t'es content, t'as une belle maison sur le bord de la rivière des Outaouais. Là, tu commences à y penser un peu. Puis là, tout à coup, tu vois à chaque année, elle monte de 10 pieds, elle monte de 20 pieds, puis là, t'es inondé, tout ça. Moi, j'ai vu des gens qui sont venus me voir puis qui m'ont dit, ben écoute, on n'a plus le choix. Donc, l'urgence climatique comme moi, je pense que le dossier environnemental, un jour, ça va devenir un point d'ancrage qui va être capable d'unir, si on veut, les gens en région et les gens à Montréal, parce que tout le monde va le ressentir. Puis, c'est pas avec la CAQ que ça va se passer, ça. Et il y a là, d'après moi... C'est mal parti. Non, ça n'arrivera pas. Puis, il y a là, déjà, je pense, un intérêt. Il y a comme un champ là à explorer. Il y a quelque chose là qui est intéressant. Et aux autres partis qui vont vouloir remplacer la CAQ, moi, je dis, ben regardez-la. Regardez-la, puis n'oubliez pas ça. Mais pas que ça. Mais il y a là, en tout cas, déjà un terreau fertile pour dire, ben cette préoccupation-là, à un moment donné, elle va fédérer pas mal plus grand que juste un et l'autre. Commun, de toute façon. Il faut que ça le devienne. Puis d'après moi, ça va le devenir, mais on verra comment. Parce que la grande division en ce moment, on a tendance à dire la grande division entre les deux, c'est identitaire. Un jour, on va en sortir de ce débat-là. Tu penses? Puis un jour, on va en sortir parce qu'il va se passer quelque chose. Admettons, là, puis je veux pas entrer sur ton terrain parce que sans faire, c'est comme si j'embarque sur ton terrain et on commence à parler de la loi 21, je vais me sentir un peu comme, je sais pas moi, tu sais, Brian Scrudlin qui joue avec Guy Carbonneau. Ouais, avec Mike McPhee, mettons. Non, mais tu sais, ça, à un moment donné, on en a parlé récemment à une de mes émissions, toi et moi, et tu as dit quelque chose qui m'avait bien frappé, c'est que
Tu sais, il y a la dérogatoire puis tout ça. Ça va durer, mais je pense qu'à un moment donné, les Québécois, c'est des gens aussi qui sont des gens de compromis. Il va sortir un compromis de ça. Puis je pense qu'on en a déjà parlé aussi ensemble. Si Philippe Couillard avait dit oui à Bouchard-Taylor suite après, tu sais, là, après le funeste attentat de la mosquée, on n'en parlerait plus. Je pense que les gens se seraient accommodés de ça. Fait qu'à un moment donné, c'est peut-être là qu'elle va se faire la coupure. Parce qu'il faut qu'il y en ait une. Il faut qu'on pense à autre chose. Oui, parce que là, ça devient un petit peu lourd. Puis d'ailleurs, tu me fais penser, on était ensemble, toi et moi, en Écosse, en 2014, pour le référendum écossais. Oui, à l'époque où on parlait encore, je pense, d'indépendance de manière considérable au Québec, ça s'était essoufflé quand même un peu depuis 2007, mais ça faisait partie du débat. Moi, ce qui me désole beaucoup dans cette affaire-là, c'est, et puis je vais sortir une chronique bientôt là-dessus, parce que on ne parle plus d'indépendance, que je le sois ou pas, ça n'a pas tant d'importance, mais pour les bonnes raisons, en fait. C'est comme si ce débat-là avait pris la voie d'évitement. On s'est mis à parler d'identitaire, et ça a été, tant qu'à moi, la recette à succès de la CAQ. Donc, on est allé fédérer un peu tout le monde. Mais l'indépendance comme telle, l'indépendance des Lévesque, des Parizeau, des Bouchard en partie, on dirait qu'elle a été complètement exclue maintenant du débat au profit d'une identitaire. Est-ce que tu trouves pas ça dommage? Bien, j'aime pas prendre le cas de René Lévesque puis d'en faire une espèce de transposition. Tu sais, on n'avait pas les mêmes débats à son époque à lui. Puis à un moment donné, quand il dit faut pas s'excuser d'être chez nous, puis il a fait des discours qui étaient à forte saveur identitaire. Tu sais, fait que moi, ça, puis des fois, on me parle de ça. Moi, j'ai eu la chance de parler avec des gens. Il y a pas tellement longtemps, je faisais une conférence au MQI, en tout cas, mais j'ai rencontré Louis Bernard. Mandarin. Le plus grand mandarin. C'est ça. Puis il m'a mis en garde par rapport à ça. Puis c'est quand je vois une personne comme lui, lucide comme tout, puis il pose un regard là-dessus, puis il dit, moi je fais attention, j'ai de la difficulté. Même lui, qu'ils ont connu, qu'ils ont côtoyé ces gens-là, il dit, j'ai de la difficulté à savoir comment il aurait pensé aujourd'hui. Bon. Mais en fait, je me suis peut-être un peu mal exprimé. Je parlais pas nécessairement en rapport l'indépendance versus comment je dirais, pas l'identitaire à l'intérieur même, la question d'indépendance, mais la question d'indépendance. Tout court. Oui. Évidemment que, bon. Mais il va falloir que la question de l'indépendance se joue aussi sur le fait que les Québécois veulent être maîtres chez eux et qu'il y a une identité derrière ça. Maintenant, comment on va façonner cette identité-là? Moi, je suis de ceux qui pensent qu'elle va aussi inclure une certaine forme de rupture par rapport au multiculturalisme canadien. Comment ça on va l'intégrer? Par 21 pour toi, ben, pas que ça. Ben, puis je suis parlable là-dessus, par exemple. Mais je pense pas qu'on va continuer dans le même modèle. Comment on va organiser ce modèle-là? Ben, on n'est pas non plus au même moment où, par exemple, d'autres pays ont choisi la laïcité. Mmh. Les grandes migrations, là, on pourra pas les arrêter. Puis les gens, je veux dire, ils vont venir ici. Ils vont venir ici par la force. Puis si on les accueille pas, ben, c'est nous qui on va causer un immense tort humanitaire. Donc, on va les accueillir, ces gens. L'urgence climatique tout à l'heure. Exactement. Il y a 3 000 Haïtiens qui sont débarqués en 2017. Ben, tout le monde est venu fou. Oui. Mais selon l'ONU, c'est 300 millions de migrants d'ici 30 ans qui vont se promener pour Québec. Et ici, ils vont arriver ici puis ils vont voir un Éden. Je veux dire, ici, on a un Éden, on a l'eau, on a l'espace. Il faut accueillir. Mais maintenant, comment on va le faire? Comment on se met à parler d'indépendance? Disons que moi, je suis zéro identitaire, ce qui est le cas d'ailleurs, mais qui peut être intéressé au débat sur l'indépendance. Comment vous me ramenez ça dans l'assiette? Parce que là, je cherche, là, puis j'entends juste parler de turban ou à peu près. Ouais, ben là, écoute, moi, j'ai pas tendance à m'accrocher beaucoup là-dedans parce que, premièrement, moi, ça me dérange pas. Mais le PQ, tu y crois-tu? Est-ce qu'il revient, le PQ? Le PQ peut revenir, mais il va falloir qu'il... J'ai hâte de voir comment que la course à chefferie va se décliner. Le Parti québécois... Il n'a pas fini au complet la grande réflexion qu'il avait à faire. Puis il y a beaucoup de gens qui sont autour, qui regardent, il y a beaucoup d'observateurs qui sont autour. Puis j'ai hâte de voir comment ces gens-là vont se placer. Est-ce qu'on peut garder le nom du Parti québécois? Probablement, parce que ben il y a plein d'autres noms qui sont restés. Tout ça, ce parti-là peut continuer, mais c'est dans la façon dont il va se présenter. Puis pour moi, il y a deux axes qui sont salvateurs pour lui, qui pourraient le sauver. Premièrement, il y a justement l'axe du climat. Ouais. Puis il y a la façon d'incarner une identité du Québec, mais une identité qui va s'ouvrir, justement, beaucoup plus sur le monde, même si à la place... Tu sais, on peut être laïque, puis en même temps, on peut être laïque, puis dire, ben il y a un accommodement dans la laïcité qui est possible pour dire, ben voilà, regarde, c'est notre forme de laïcité. Oui, ben on n'a pas le choix parce que à un moment donné, non plus, il ne faut pas qu'on fracture le Québec de bout en bout à cause de ça, puis il ne faut pas perdre Montréal. On ne peut pas. Voyez, ça, c'est les joies de vivre en démocratie. Ça s'appelle un dialogue. Oui. On peut ne pas être d'accord sur un paquet d'affaires, mais on peut continuer d'échanger, d'évoluer, régresser et ainsi de suite. On bouge avec ça. Toujours un plaisir. Un plaisir oui. Très, très réciproque. Tu viens t'asseoir quand tu veux, peut-être une fois que le Québec sera indépendant ou idéalement un peu avant. On va y travailler. Moi, je vais y travailler. En tout cas, j'y crois encore. Salut tout le monde.